Le compas, ça donne quoi sur cette guitare? Le souci, vous voulez faut que garder, je vous dise... Faut garder des ongles longs, obligatoirement. Oui, ouais, on est obligé de passer chez Ginette Ongles. Parce que, qui est Ginette? Bonjour Ginette. Voilà, c'est celle qui nous fait les ongles de Dracula, quoi. Parce qu'on a, ah oui, qui les durcit, ça. Voilà, qui les durcit avec, voilà, on met soit du gel, parce que, évidemment, ça travaille beaucoup. Alors, surtout quand on fait des férias où on joue 4 heures par jour, il faut avoir des ongles en béton armé. Il y en a, c'est les gencives, d'autres, c'est les ongles. Alors, il faut que je vous dise quand même que, bon, moi, guitariste, ça fait 5 ans que j'ai appris, donc, nous, les Bretons, c'est les crêpes, les Gitans, c'est le compas. Alors, le compas, donc, voilà, le truc qu'ils ont, eux, c'est la main droite. Voilà, tout se fait avec la main droite. Alors, vous avez, par exemple, le compas, ce qu'ils appellent le compas de la Camargue. Voilà. Alors ça, c'est le compas camarguais. Après, vous avez le compas feria, bon, quand il y a beaucoup, beaucoup de bruit, qu'on n'entend rien, où là, il faut... Faut bombarder. Alors, c'est la technique du ventilateur. Voilà, vous allez voir la main, voilà, ça fait... Voilà, et après... Là, vous avez... ça donne, quoi. Voilà, alors après, vous avez les trucs un peu plus romantiques, un peu plus soft. Alors ça, c'est un autre compas, c'est le compas des slow, comme ils disent. Puis il y en a plein d'autres. Mais bon, voilà, comme je vous dis, moi, ça m'embête un peu de faire de la guitare là, parce que...